Salut à tous, c'est Monsieur Magic Arena FR, comment ça va fou? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien et aujourd'hui, c'est vendredi. Comme tous les vendredis, pas du tout, tout est permis. imaginez, tout est permis. D'ailleurs, ce qui est permis, c'est d'oublier encore une fois de lire des commentaires. Mais c'est pas grave. Oui. On va s'en oui. rappeler dans cette vidéo, j'ai un commentaire qui a été screen en plus. D'accord. Euh, okay. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a du sucre. Parce que le vendredi, c'est le jour propice au sucre. Vous ne regardez pas cette vidéo. Le vendredi, vous partez faire autre chose, vous êtes en week-end. Vous... Là, je parle à quelqu'un qui ne regarde pas cette vidéo, mais oui, celui oui. qui la regarde, il va se régaler. Il va se régaler oui, parce, parce qu'aujourd'hui c'est vendredi. On agro. pense à celui qui regarde et on a envie de le régaler. Voilà. Donc c'est peut-être la meilleure vidéo de la semaine qui sort le vendredi. Donc merci eh oui, de la regarder. c'est le sucre. Uh, Vive du vendredi ou du week-end évidemment. Uh, on a du Chesky humain agro et on a un trône errant au milieu. Avant d'en parler un peu plus, parce qu'il faut en parler de ce trône errant. Plus bleu dans une situation de confiance, ça fait plaisir. Merci beaucoup au sponsor Play My Magic Bazar, code vingt 2023 sur la boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité et ça nous soutient. Il reste environ trois semaines là pour s'en servir. Après c'est finito, hein, Donc euh, attention quoi. Vous ne pourrez pas dire que je ne vous en ouais. pas prévu. On aura le nouveau code, mais ça Un serait bête code. du coup de ne pas profiter du code de 2023. Évidemment. Et bien sûr. Et bien sûr. Euh, merci aussi à notre autre sponsor Ultimate Guard. Le lien un lien dans la description. Si vous passez par ce lien pour faire vos petits achats Ultimate Guard, ça nous soutient. Ça livre en France. Ça fait plaisir. Il y a du stock. On est content. Et s'il n'y a pas de stock, bon, bah, c'est que victime de leur succès. Let's go. Pour protéger vos cartes. Je recommande le Card Case. J'ai montré le Card Case, mais euh, sur mon écran. Donc vous ne l'avez pas vu. En fait, il était là. Le, le Card Case est vraiment excellent. C'est produit de, de chez UG. C'est, oui, best-seller, je pense, dans notre communauté. Ça, c'est un tournoi d'Internet. Oui. Et c'est rigolo. Oui, c'est drôle. Et il y a quand même, genre, quand tu vois ça, 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 et ça et ça, on l'a montré dans un autre deck. Donc il y a une base, vous pouvez faire ouais. les mêmes sorties que Boros Agro. C'est ça, il y a une base Boros. Alors attention, normalement, il y a pas Vaurienne euh, dans les decks qu'on a déjà montrés. Euh, a... Ah non, il y a pas Vaurienne dans la décoration. Il n'y a, a pas Vaurienne, mais rouge. disons que là, l'idée, c'est d'essayer de mixer la potentielle sortie explosive de Boros Agro Convoque, tout en rajoutant un côté un peu humain au Schmilblick mmh. avec le trône -er canaliseur et évaluateur. Et le fait que le trône -er puisse être un humain, ça donne plus de résilience et de grind, un côté plus fun que le côté agressif de Boros Agro, où tu es capable de doubler tous tes ETB. Mais exact. ça passe par doubler euh, le Discover de évaluateur géologique, par exemple. Ouais, donc ça fait des recruteur qui est beaucoup plus méchant quoi. Ça fait un méchant recruteur, ça fait canaliseur qui fait 2 1 1, qui fait deux boons ou plus chez deux, ça fait renfort résolu donc, est qui arrive vraiment en jeu un... avec un collègue. C'est c'est Vraiment bien. un deck qui est un peu gollery qui se base sur une synergie qui est déjà puissante à la base mmh. mais qui te propose de faire des choses plus marrantes, un peu plus fun et finalement ta mana base, elle s'en sort plutôt très bien parce que grâce à caverne des âmes, court retirer à Mirex tu trouves très facilement euh, ton compte de, de source pour, jouer tes, pour jouer tes cartes. Oui, parce que tout est humain, sauf le trône. On va dire humain, mais il est golem. Mais en fait, comme il est incolore, bah, il faut juste 4 landes Ouais, c'est ça. Et Donc, avec une chevalière, euh, bah, vous piochez quatre cartes. Euh, Donc, il y a moyen qu'on fasse beaucoup de magie dans cette vidéo. On va essayer de faire des grosses bêtises. Euh, pour le reste du deck, du coup, on a un peu tout présenté. Il y a un petit voleur à voile volante qui peut gérer deux bêtes. Euh, quoi, c'est joueur contrôle hein, On n'oublie pas. Euh, et en réserve, on a des frappes d'elspet, Un petit receleur intrigant, 2-3 pour 2 en Azorius, qui choisit un permanent non terrain, qui fait que le permanent euh, ne peut pas activer ses capacités activées, justement. Et il a le receleur, toutes les capacités activées du permanent choisi, sauf les capacités de loyauté. Donc ça ne devient pas un Planeswalker. Euh, ça peut devenir une goélette. Ça peut devenir une du goélette. Du coup, il peut avoir le pilotage, ce receleur, <laughs> et on peut foutre un type dans le receleur pour attaquer, <laughs> parce que le receleur adore se prendre pour une goélette. Et ça, j'espère que ça va nous arriver en vidéo parce que c'est extraordinaire. Ça, c'est pour le vendredi. Hein. Si le... J'espère qu'on demande l'accord au receleur avant d'y foutre un type dedans mais, quand même. Moi, ma théorie, c'est que le receleur, c'est lui qui dit. Il dit, je veux être ça, tu vois. Je veux être ça. Genre, la Donc, goélette, coup... elle ne part pas du port et c'est moi la goélette. <laughs> Donc, je suppose qu'il est à fortiori d'accord. Ouais, ouais. Bah, peut-être qu'il est d'accord pour un humain lambda, mais si tu lui dis que c'est le trône errant, il est peut-être moins chaud, tu vois. C'est vrai, mais le trône errant, il a pas de... Ah, Parce que tu lui as dit, si, si, ouais. tu es dans le site d'un deck humain. Donc lui, il s'attend pas du tout à un trône ouais. tu vois. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Surprise. Écoute, j'espère que ça arrive en vidéo. Gérina, euh, alors du mana noir, mais on a euh, 12 landes qui peuvent faire du mana noir, donc c'est ok, et des trésors. Euh, pour deux, on a un 2-2 qui, quand il arrive en jeu, exil le cimetière d'un joueur ciblé. On s'en veut pas doubler l'effet, on s'en fout. Mais surtout, on peut le sacrifier pour euh, donner l'indestructible et la défense hispanique aux humains qu'on contrôle, donc. Tout notre deck hormis euh, Golem. Ce serait bien qu'on le vrasse, Et euh, ça fait de l'aide de cimetière. Je pense que c'est une carte qu'on a envie de rentrer assez souvent dans, ouais, dans le format. Une petite longue-vue en sorceleuse. Ça, j'avoue que euh, je serais plutôt partant de jouer deux receleurs, tant qu'à faire. Plutôt qu'une longue-vue. Longue ouais. C'est un deck la... d'Internet. On respecte voilà. le deck d'Internet. On, euh, on a pris cette carte-là. mais bon. ah, C'est toujours un interdit en brûle bon historique. C'est rigolo. Garant de la paix consacrée euh, qui permet de. Bah, qui est un bon humain. Il regarde la main adverse et qui taxe les capacités encore une fois. On n'a pas envie que les adversaires utilisent des capacités, hein, qu'on n'aime pas. pas. Laurent, de la troisième voie, c'est humain et c'est euh, très bien pour gérer les artefacts d'enchantement et ça peut en gérer deux, potentiellement. Les Carte Invasion trône. de Gobakan, ça, eh ben, ça marche très très bien pour aller taxer les méchantes cartes, notamment des decks euh, contrôle, genre Ragdos Control qu'on vous présente bientôt sur la chaîne. Eh oui. On n'a pas envie de se prendre très ça dans la en ce moment. Donc Invasion, c'est fort. Double Dénique, Très bien contre aggro, ça fait de l'œil du cimetière. Un catar brutal, c'est un humain qui fait de la gestion. Et un voleur à voile volante de plus, on en a déjà un dans le deck. Il, il est a amusant ce deck-là, parce que du coup, il joue plein de petits humains utilitaires à droite à gauche qui vont avoir plein de TB qu'on va pouvoir doubler avec le trône. Et donc ça lui donne un side qui est presque tout le box, finalement. Ouais. Euh, alors, est-ce que c'est bien ça sage... Attention, t'as pas cliqué sur le bon deck. C'est juste aggro qu'on va jouer. Est-ce que c'est -ce est bien ça, je ne sais pas, mais en tout cas, à n'en pas douter que c'est assez fun. Oui, ça a l'air. On est parti avec ce petit deck. Qu'est-ce qu'on voudrait taguer euh, un deck goélette genre Dimir bah, j'aimerais bien affronter un deck, deck goélette ouais, pour savoir à quoi un peu euh, ce qu'il a ce qu'il a dans le ventre ce deck là mais est ouais on un azurus. deck Zorros ça irait très très bien ouais, serait nickel, ça serait nickel euh, ça on serait plutôt chaud j'en profite de ce ça petit temps pas. mort avant que la game commence rapidement pour vous dire qu'on a deux chaînes euh, en plus de la chaîne principale la chaîne TV sur laquelle il y a plein de rediff de live qui sont montés donc il y a pas de temps d'attente euh, et qui vous propose plus de gameplay et du contenu multi TCG et la chaîne Lorcana qui se développe de plus en plus sur laquelle on prend beaucoup de plaisir à présenter ce nouveau TCG. Voilà. Oui. Rejoignez-nous, ça fait plaisir. Rejoignez-nous, ça fait un peu, euh, un peu culte. Bah, c'est un culte, c'est ce que j'espère ah. monter depuis tout ce temps. Un culte à ma personne, PL. À notre avec, personne. Chaque Pas du tout à Quasiment depuis maintenant euh, plus de 5 ans, 5 bah, ans et demi, euh, Val me dit bon, il en est où le culte moi je lui dis bon. bah, attends euh, ça, ça se développe <laughs> ça se développe quoi mais il est pressant là ces derniers mois euh, vraiment il est ah, sur le je... culte quoi à fond. Ah je n'en peux plus. Bah ça fait longtemps quoi que je suis dans cette euh, dans cette ce, stratégie. Ce cultisme. Ce culturisme. Dans même. ce cultisme. <laughs> ah ouais dans le culturisme ouais, ouais ça fait un moment ouais. Ah, tu tu pousses deux, un trois petit biceps, peu. Hein. Mais... Bah pas pas beaucoup hein, finalement. Ta kettlebell tu fais ta petite pulsation t'es rigolo. rigolo. Je pousse de l'eau. Je, je suis aussi rigolo. Je pousse de l'eau finalement. C'est vrai. Maintenant que tu le dis. Ah, mais euh, ça dépend aussi de ton poids dans, dans l'eau donc euh, tu t'auto eh oui. Je, je m'auto pousse ouais. Comme euh, le truc qui va s'auto là dans cette game, on espère. Euh, même si ce n'est pas euh, utile, il faut rentrer ce machin. Ah oui oui. oui. Le machin qui s'auto Dès qu'il y a là. une capacité à un bordel, euh, on rentre. Oui oui. On va justifier assez facilement de rentrer cette carte là. Vas-y pour Chevalier. Alors elle va se faire tuer, mais elle aura fait sa value. D'ailleurs, on affronte Ragdos à l'ancienne avec des moissonneurs, intéressants. Ragdos, comment. Oh, c'est très dommage ça. Ouais, c'est ballot. Comment t'appellerais Ragdos à l'ancienne Genre, tu dois y trouver un nom. Ragdos Moutarde. Ah ouais. Très. Euh... Voilà. Très, très simple, à l'ancienne. Euh, très à l'ancienne, <laughs> ouais. Ah, voilà. D'ailleurs, est-ce que tu aimes la moutarde J'adore. La moutarde qui pique ou la moutarde américaine Non, non, justement, la moutarde qui kip... Moi, j'aime la moutarde française, euh, donc de Dijon ou la maille, euh, avec mm -hmm. les, petits, euh, les petites graines dedans. Mais justement, je déteste ce qu'on appelle un peu la moutarde yumi, la moutarde sucrée euh, euh, américaine. Ça, j'aime pas du tout. Bah, américaine, elle est euh, douce, en fait. Elle n'a pas les grains, etc. Ouais, euh, mais elle n'a pas, pas le même, elle a sucré, pas le même goût, une coup. autre. Ok. Moi, je suis tu plus que, euh... ça. J'aime pas trop ce qui pique, tu connais, donc. Genre, typiquement, même dans la moutarde, il y a un game dans la moutarde. Je peux prendre de la moutarde de Dijon et la maille, mais je peux pas manger de la Amora. Ça n'a pas du tout le même goût pour moi. Ok, c'est encore une autre école de pensée. Qu'est-ce que tu là Je, je sais pas. Land. Je... 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 Il se passe quoi dans cette game là Tu ouais, vas je... défausser un land ou tu fais un trésor pour faire canaliseur son... sur son bordel un bon là Je ouais, je crois. Hein. Pas ouf, non Si Prends la tempo. Tu fais du bord, tu prends la tempo, derrière tu fais un gros imodan. Allez. Moi, je suis chaud. Et tu discardes une plaine quoi, Scarde ou une de caverne. Euh, un permanent, là. Permanent Oui monseigneur. seigneur Oui messire. Bah du coup une plaine faut que t'enlèves. plaine plutôt oh. Ouais. Oui. On fou. Ah sais quoi on s'en fout. points. Et là tu le, tu, tu le bourre le type quoi. Ah ouais Raison, on bourre hein. Sheldon. Oh Mais hey, non, comment je cherche Sheldon avec notre deck Il a on la gère pas mais on ah la ouais, déborde on la, on la déglingue non on la déborde tu vois elle a fait sa couette elle va se coucher tranquillou elle se met le petit drap et tout ouais. et nous on vient on lui enlève la, on lui enlève la couette cul nu on lui dit non non euh, je... je crois que tu peux alors attends je, je peux, peux mirex ouais je peux mirex créer un token crew avec l'entièreté du board et le tour d'après tu lui proposes une attaque mon gars bah tu veux pas que je fasse deux tokens au chevalier plutôt tu peux aussi faire ça, effectivement. Ah, mais non, parce que du coup... Ah oui, mais tu, tu fais quand même chevalier ce Ok, allez, ah, ça oui. me va. C'est mieux. Ah, merde. C'est mieux, c'est mieux, effectivement. Et je cheval. Parce que cheval, c'est génial. Et, Et tu cheval, vas-y, tout à fait. Euh, je vais garder quoi je... je crois que tu veux garder le 1-1 en bloc pour te chumper oui. au cas où. Ouais. Okay. On s'en fout, quoi, en vrai. Bah, c'est soit je gardais un 2-2 pour... Euh... Non, je pense Trail. que s'il attaque avec... S'il attaque avec tout, tu l'étales le tour d'après. Donc, euh, prends recruteur, comme ça on fait double imodan. Recruteur et chevalier encore Moi, je pour enlever un bloqueur. Oh, tu peux enlever un bloqueur avec ça. Euh, ouais, j'aime Ça, ça, ça. m'est égal. En vrai, je pense que là, un peu whatever, s'il a pas de Vras, il est mort, de toute façon. Donc, euh... Je crois que enlever un bloqueur plus imodan, c'est peut-être meilleur que double imodan. Que double imodan, ouais. Ah. Il enlève un bloqueur tout seul. Ah, ah oui, drain il, de a peur de, il a perdu de de une graine de vie. Enfin, oh. de bloc. Et là, il fait oh, bloqueur, c'est... Et... Ouais, ça va bien se passer. Il est à 20. Alors, à voir maintenant si t'es mieux oh. à faire imodane ou pas, ça se calcule. Hein. Alors, doublimodan, euh, il va bloquer les deux plus grosses bêtes. Ce sera. Enfin, la plus grosse bête, ce sera 4. Donc, ouais. il va prendre et donc derrière, 1, 2, tu 3, mets... 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, ouais c'est bon. Allez vas-y, tout botane, ça suffira amplement. Humain Zou, pourquoi ça coûte 4 C'est un bug. J'espère. C'est un bug Bah j'espère, je vois pas pourquoi ça coûterait 4. Oui, c'est un bug. J'adore. Le compte est bon. Euh, J'adore ce qu'on fait. Ça m'a vraiment fait peur, là, le coup des 4 landes là, qui allaient s'engager. Je dis, bah Ouais, passent. moi aussi, mais il n'y avait aucune raison plausible. Mais, mais ouais, effectivement. Ok. okay tu connais notre plan de side, Pelle. Le plan de side, c'est l'amusement. Je rentre une carte, j'en élève en aucune, et je fais go. Non, on va pas faire ça. On va pas faire ça. Les déniques oh, Le renseigneur. Euh, ça c'est euh, pas mal hein Ça c'est peut-être pas mal puisqu'il doit jouer pas mal d'interactions, ouais. probablement des brasses aussi et je pense qu'on peut s'arrêter là globalement ouais. le reste est pas, pas forcément pertinent. À... Ah voleur c'est quand même chiant pour lui hein. C'est parade 1. Ouais mais bon, ouais. bah, c'est pas c'est pas trop notre plan. Je crois qu'il faut okay. pas trop euh, rentrer d'interactions, il faut qu'on garde enfin, notre je... plan euh, agressif. Je pense que le voleur justement qu'on amène deck tu peux l'enlever. Genre on s'en fout, on veut le déborder. Ouais. Je être un peu des c'est pas tu peux que tu deux voriennes pour les deux drops 2 que tu as C'est pas extraordinaire. Et, euh... et tu peux enlever un trône errant, on va dire que c'est pas bah, non plus. Le trône euh... parade 2, c'est chiant pour lui, quoi. Ouais, en ouais, si c'est plus, pas... plus un souci de mana curve pour moi. Après tu peux enlever un vétéran lunar qu'en drop 1, hein. c'est pas une carte qui est brillante non plus, quoi. Ouais, ça me va. En fait, ça c'est un truc qui gère pas avec son deck. C'est Artefact, t'es okay, okay. 4-4, et parade 2, genre Il, -y, il a que ses gros planeswalker peut-être, pour le gérer. Je me demande à quel point il est capable de se contrôler après side parce que les nouvelles moutures de ragdos control qu'on va vous présenter prochainement sur la chaise sur la chaise sur la chaîne pardon sont très non, ce euh, ce très control Ce sera sur la chaise bien sûr on plein de vraces mais ne joue pas du coup les moissonneurs comme lui il joue des moissonneurs je sais pas exactement quelle version il joue. Oh belle. Deck tech ah, bah, Génial. Après <laughs> Creté, on a touché ouais, le side. On connaît la théorie. C'est vrai. Si on touche le side, faut garder normalement. Ah oui non mais faites pas ça chez vous. <laughs> Non, ouais, vas-y, garde et on va enlever. C'est une, euh, euh, une main qui grind, c'est bon ça. Ouais. Et une main qui gratte même. Ah bah super, un drop 3 de plus. J'ai cru que j'avais pioché un drop 1, j'allais faire. Oh bah tiens, regarde Non. Oh, les belles belle celle-ci. J'avais pas vu. Il doit y avoir des sorties où tu fais euh, trônerant évaluateur, double Discover sur double modane Tu mets 38 au type. Tiens, 30 000. 30 000 Oui, oui, 30 000. Pas Je pioche pas land, je fais canaliser land, je pioche land. Je crois euh... que tu vas canaliser Boons hein. Bah Boons non, ça lui donne euh, une gestion à trop donc c'est un peu chiant. Euh, bah alors dans ce cas fait juste un, un token ouais. ouais. Parce que là, là on, on a ce qu'on veut sur, sur tous les tours. Et là oh, c'est ça évoluateur. dans évoluateur, ouais. Tout à fait. D'ailleurs ça je peux payer Kappa aussi si jamais. Non, que lancer le sort. Ah ouais, d'accord, triomphe amer, carrément. Triomphe ah, amer. 3 PV pour ça. C'est. Euh... Pas super bien investi, Nexus, ah, pas te on, mentir. On dirait que l'anti-bet il, il t'embête, mais que tu veux faire genre ça t'embête pas. Ah, ah ouais, ouais, tu ouais, tu payes jouer bah, 3 PV fous, pour euh... ça Ah ouais. ouais, bah je m'en cague. Voilà. Mais tu, tu joues ça main deck, genre ou. Ok, <laughs> trop bizarre. T'es vraiment bizarre, sûr de toi bizarre. Euh, bizarre. Ok. Salut bah comme tu euh, vas euh... 21 Les gars, regardez ce que fait mon adversaire. Juste, bizarre ou pas bizarre tu, tu me dis, après la game, faut que je te parle d'un truc dont ton deck est à chier. Tu me dis, hein, juste, tu me rappelles. Tu sors ton téléphone. Tac. Ouais, allo, là, je suis en train de jouer une game, je suis ronde 3, ouais, ouais, au tournoi de standard. J'ai un Oppo, gros, devine. il fait des trucs. bizarres, devine, devine ce qu'il fait. <laughs> Le site. <laughs> ça ça me manque quoi. les GP, moi je faisais ça chaque ronde. <laughs> Gagné, perdu, pareil quoi. Ah bah vraiment véhément tu lui dis attends je peux prendre une photo du board s'il te plaît ah, parce que j'ai des collègues ils vont se marrer, ils vont se bidonner <laughs> euh, j'ai envie de faire des bêtises Val je, je crois que tu dois boonser ces, ces merdes là non ça il faut boonser non il faut boonser parce que si jamais évaluateur te donne imodane tu vas rien en faire là donc moi à ta place je fais Vorian trésor double boons après évaluateur il me donne deux trucs et il y a deux triggers hein. ouais mais ça il te le fera aussi le tour d'après et tu auras bien réduit son board et Tout en rejouer, ayant là. toi gagné du board. Bah ouais mais il va le rejouer mais toi t'auras plus de board et tu vas lui bouncer deux cartes. Donc d'abord Vorian d'abord Vorian, Vorienne, Trésor ah, et Vorian Ok, j'ai pas entendu. Tout à fait. Donc d'abord trésor. Un trésor et... Un jeton Ouais, ce que tu veux. Ça m'est égal. Avec deux trésors, on fait un truc le tour d'après On non, aura tu... 5 mana. Tu, tu feras pas mieux six. parce qu'on va jouer géologie, call, machin, quoi. Ok. Donc euh, rôle là-dessus. Là maintenant tu fais ça. Double, double boons. Et j'adore ce deck. Tu boons le 5-5, tu boons aussi l'intrus en enlevant ton renfort oui. résolu. Ça. Renvoyer l'intrus. Ouais, et t'enlèves ton renfort résolu. Ok. Sauf que là, t'as généré du board, lui il a une perte de tempo conséquente. Et le tour d'après avec ton upraiser... Ton évaluateur, pardon, tu fais des dingueries quoi. J'attaque avec le trône juste... ou pas Il faut qu'il double. Non, s'il si double bloc, t'as le sum. Ouais, t'as trop okay. le seum, s'il le fait. Ok, ok. Là, il repropose son crocodile à qui va, là. Bah s'il fait croco, là, finalement, euh, nous, on a gagné un peu de bord, lui a perdu du temps. Euh, C'est ok. Ah, je vais faire recruteur Val. Nah, ah, je vais faire recruteur Val. Phase d'attaque, il en bloque là. 3, je perds tout, bam. D'ailleurs, s'il veut attaquer, on est chaud. Un peu. Pour rire. Ah, parce qu'évaluateur, ça peut faire des bêtises, là. Ah bah ouais, parce que là, tout ce que tu vas trouver, c'est double TB. Non, mais on va se... On va se régaler, je vous le dis. Ah, beaucoup de plaisir. On peut trouver une variante ah, dans oui. l'équation oui. qui nous permet de faire du mana pour faire Imodane. Tout à fait. Allez, land... Éva... Attends, d'abord, land au cas où. Et ah ouais, j'ai un, un truc à payer. Bah, si, si t'as des effets, euh, peut-être en... Ouais, as ah, peut-être que t'as pas d'effets éphémères. Non, mais ça coûte, ça coûte, ça plus coûte plus ouais. tout cas où. Allez, c'est là où on se bidonne. Là, on commence à rire. Découvrir 3, découvrir 3. Ah, bah ça, c'est délicieux. Je l'ai validé déjà. Ça, c'est bon. Tu mets, tu mets. Et bah, les deux cartes de son board, ça dégage là. Renvoyer. Eh oui. Il a compris ce qu'allait allait se passer. Il s'est dit, ça pue la merde. Oh, c'était délicieux ça, non Franchement, les gens du vendredi, là, vous êtes déjà vous êtes vous Et c'est que pour vous c'est du plaisir, là en fait ça me fait plaisir pour vous, je me ouais, dis, moi aussi. là on est content, mais genre vous êtes récompensé de regarder ces vidéos que peu de gens regardent, ça me régale c'est vrai, oh quel plaisir et c'est parti il était, il était doux hein, cette séquence là ah, il était doux. là du coup c'était la partie un peu classe de maître donc maintenant on n'a plus rien à prouver non non maintenant on peut, on peut, on peut perdre ce qui est censé euh, euh, faire ce deck finalement à la base est-ce qu'on... Ah Le petit commentaire, au fait. Mais vas-y, bah si, n'hésite pas. Mais c'est fou, comme on s'est dit. Tiens, viens, on fait ça, c'est une bonne idée. Et on ne le fait pas. Mais tu sais pourquoi Parce qu'on a une rythmique, une... Euh, comment dire Une routine depuis 5 mm -hmm. ans. Et donc, bah, modifier sa routine, vous savez que c'est difficile. Euh, commentaire sur la vidéo euh, « Le meilleur deck pour Femelle Adoraina ». Donc c'était Boros euh, Convoque. C'était ouais. le tout premier commentaire qui a été posté et je le trouvais très bien... D'accord. Salut les fous, je joue ça fort en ce moment, entre, entre parenthèses pas vraiment cette version, et ça marche pas mal et ce deck m'amuse et c'est l'important. Magic est un jeu, ne l'oublions pas. Eh ben, gros big up à toi, tu as bien raison. Ai bien aimé cette phrase. Euh... Ouais, regarde. C'est bizarre. Mais tu fais mais... évaluateur tour 3, c'est bueno. Je... Ouais, je peux. Je, je peux, mais t'as raison, je peux. Bah tu peux, dis donc... Après évaluateur tour 3, c'est... Ça va, pourquoi ce serait pas bien? Bah, ça peut être bien comme ça peut être pas ouf, tu vois. Ça peut trouver vétéran et tu fais ah. oh le moule. Ça, ça reste toujours double Attention, body quoi. Méfiez-vous du moule. 5 cartes en toujours main, 55 cartes en bibliothèque. Toujours se méfier du moule. Sainz, retiré humain. Let's go. J'ai une fin là, c'est même pas une fin de loup. Tiens, une Dallas. Oh, tu la picorne, je sais ce qu'il fait lui. Euh, elle veut petit la picorne. Petite petit trésor. Et je vais attaquer. Et tu vas attaquer, euh, mon avis, oui, je parce que cela dit. Pas euh... très bien bloqué. Oula, portail trans, ça nous aide, ça. Ça va nous aider un peu, ouais. Mais ça l'aide plus que ça nous aide, nous. Oh, il tue Et non. Attention, attention que lui, commence quand même à faire des trucs uh. un peu solides. Hein. Ouais. Je sais pas si j'évalue ou si je canalise là. Euh, ah, avec trônerant, je vais canaliser euh, du coup. Tu vas canaliser, effectivement. Maintenant que tu le dis. Maintenant que j'y pense, peut-être qu'on aurait dû même trop errant et double canaliser le tour d'après. Ouais, je crois. Ah, là, c'est un peu choquant, ouais. on se comprend. En fait, s'il a une dans la main, c'est. Pas, bah, c'est le plan de son jeu, quoi. Vas-y, vas-y, bounce la picorne déjà. On verra. Mais je crois que tu peux pas attaquer hein, finalement. Non, 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 c'est une blague. No, 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 no. Là, il a plus trop de cartes en main, ouais, donc il pouvait juste faire. Euh... Ah, vas-y viens, on va égrainer un peu son board. Ouais. ouais je trade Pour, tout. Pourquoi pourquoi il attaque avec son board Il a des buffs en éphémère Parce que là, il débuffe son lapicorne, il enlève sa potentialité de convoque. Mm. Ah ouais du coup je peux jouer mon trône en pouce. C'était c'était super nul, euh, zotbacker Fallait pas faire ça, vraiment. C'était pas bien. C'était pas bien. Nous maintenant, on se régale. Oh, le contre humain, ah, je, suis, je suis déçu pour lui euh, qu'il ait pris euh, un plan euh, euh, mauvais. En fait, on n'a pas fait gaffe à, à la tête de l'évaluateur, mais euh, ouais. il est très, euh, il a une bonhomie, je trouve. Il a une bonhomie certaine, ouais, beaucoup plus sympa que ce que fait la carte. Je trouve, il ouais, a. je bloque un hein, si, blo... si je me rends il... plus 3, plus 3, c'est pas grave. Non mais surtout que tu peux pas prendre euh, à cause de la parade, tu peux pas prendre comment ça s'appelle. Ah j'ai plus son nom. Euh, Hey Ganjo. Bah là je crois qu'il faut que tu canaliseurs double la picorne. Ouais euh, ouais. Et après le tour d'après on va quand même mettre un petit coup d'évaluateur quoi, ça va arriver. Hein. Ça arrive fort. Ça arrive fort, ça arrive maintenant. Euh, je peux Boons Boons. Ah je pense qu'il faut que tu Boons Boons à fond les ballons. Faut qu'il passe tout Parce son tour si à rejouer fait... de la picorne nulle. Si je fais un token 1-1, je peux convoquer chevalière. Ouais, mais du coup, tu bloques pas. Enfin, tu vas devoir donner euh, ouais, chevalière dans la le la ok, ouais. Oula, oh, c'est ouais. lequel que t'as. C'est ah, bon T'as pas boon, deux fois le même Ça va. GG. Ah, mais je peux quand même, en fait. Là, tu peux quand même. Et là, c'est bueno. Bon, on va pas trouver grand chose, mais. Euh... mais on va le trouver. Déjà, t'as du board, en fait. Hein. Mm. Double effet, il ouais, y a moyen qu'on trouve des cartes. Ah oh bah tu... Gagner des PV, ça m'a euh, l'air bien. Euh, ouais, renfort, je crois. Et Ou vaurienne, ça m'est égal. Vaurienne, c'est un peu gratuit, ça fait deux trésors. Vas-y, vas-y. Quoique ça, ça fait gagner plein de PV, ouais. Peut-être mieux. Ah, belle. Ah par contre, ouais, ça c'est un peu moche. C'est même pas un. Bon, après, il y en avait quatre dans la première, donc... Euh... C'est quand même un peu dommage. Ok. Là, double la double lapicorne, et maintenant, on est tranquille. Là, je vais Parce gagner a du plein point de C'est ça. Vétéran. On peut même se dire que c'est le moment d'évaluer. Hein. Ah non, tu peux pas. Non, c'est d'abord renfort. Ah, mais en tu fort, peux je le garder. En flash. Ah non, je crois que tu refais canaliseur. Bazar de lui encore, c'est de la picorne. Ouais. Franchement, tant qu'il fait rien, nous, on fait tout. Ça la se ah, ça l'a saoulé, ouais. c'est normal. Ah, normal. mais c'est normal, mais c'est normal, c'est normal, c'est tout à ça, fait logique. Ça l'a saoulé, c'est normal. Bien sûr, ceci, cela. Ah, en vrai, on était en train de gagner cette game. Il euh... avait plus de... tu, tu peux mettre le, le, le machin voleur là. Ouais. Ça. Là. Ça, c'est bien ou pas Non, Je crois pas. Je crois ça pas. Il soit va des petites des bêtes, soit des très grosses bêtes. bêtes. Je crois que t'as rien à rentrer après là. Ouais, je crois que c'est tout. Euh... Qu'est-ce que je cutterai C'est une bonne question. Il joue à gros. Peut-être que trop nérant c'est un peu lent. Après c'est quand même le cœur du deck, c'est dur d'en cuter. Ouais, c'est vraiment la carte qui rend le deck, euh, qui, qui fait des trucs broken. Je crois que je peux rentrer euh, cuter un recruteur. Tu peux recru un F recruteur, F une Vaurienne Je euh. euh, peux vorienne, enlever une Vaurienne Tu peux bon. enlever les, les gardiennes, c'est trop dur de les buffer finalement, puisque les gardiennes elles ouais. demandent de s'engager. Donc euh... c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, t'as vu, elles ont eu le bon goût ça. Ça. de jamais se faire piocher. Elles ont eu le bon goût de pas venir quand on en voulait pas. Ah, hein. C'est vrai. Et ça c'est des bonnes cartes. Les bonnes cartes, tu les as que quand tu les, que quand tu les veux finalement. Je mmh. retourne un ou... ou rien quoi. C'est malin d'avoir enlevé l'étiquette de vin blanc de la bouteille, comme ça on ne sait pas ce que tu bois. <laughs> on ne voit pas que c'est du pinard. Bah, Par contre, c'est vrai que la couleur est ouais, assez ouais. équivoque. Tu sais quoi. Par contre, si tu, bois... si tu bois du pinard avec une ouverture comme ça change de pinard. <laughs> non mais c'est tu te tu transes vite, tu te fais tes pieds de bouteille. Ouais, je me fais moi. Oui, je ok, je fume juste euh, le contenant, c'est ça Ouais, voilà. Ok. Bien sûr, tout à fait. Du coup, finalement, ça peut même mettre de la vodka. Oui. Au vu du débit de conneries euh, dans chaque vidéo, euh, on peut ouais. se poser la question. Bah, je pense qu'il y a des gens, ils ont arrêté de se poser la question. Ils se sont dit, ah, tu connais Valet Ouais, bah les, les deux alcoolos, là. C'est ouais. comme, euh... tu vois, je me dis si... Première fois qu'on rencontre des gens, tu vois, genre quand on commençait à faire des cons, il y a des gens qui disaient Mais vous êtes employé, Wizard alors, alors, non... alors, non. Non, et jamais. Oui, ça a... alors, jamais été. Tu crois que quand on raconte plein de conneries, premier degré, qu'on ne désamorce pas, il y a des gens qui le prennent pour argent comptant et Je pense, parce que ça, déjà, qu'on ne l'a pas dit, les gens le pensaient. Ah, c est, c est, c est, alors là, quand, bien quand bien. on te voit siroter et dire des conneries derrière, alors imagine ce que les gens pensent. C'est c'est vrai, c est... C est vrai, C'est vrai. C'est sans limite. Oh belle Oula oh, Je savais même pas quoi ouais, c'est ça. Toi. Bah, là c'est le hein. je moussince pense. C'est hein. qui nous réussit, regarde ça, nickel. Ah bah ouais. euh, délicieux, délicieux le moulesins. Je toi crois toi. que tu euh... Et pas toi en fait. Ah, ah aussi, ouais, Alors, je crois que non, on s'en fout de vétérans, je pense que tu gardes Vorienne. En fait je pense que tu enlèves un land. Voilà. Et que tu gardes donc du coup Vorienne. Non je moussince. crois que tu dois enlever un land, voilà c'est ça. Donc là tu fais... T'as été si vite, j'ai même pas le temps de... T'inquiète, je, je suis pro. Je pense qu'on aurait dû enlever le vétéran et on s'en fout et garder, euh, garder Imodan aussi. Non on est bien t'inquiète, regarde j'ai ma curve. Oui c'est vrai que là finalement... Vrai, il ça ne passe. gère pas et juste on gagne nos petits PV, tranquille. C'est vrai. Bon si bloque du coup. Ah du coup tu bloques comme ça euh, on est une deuxième Mais C'est pas con cool, hein. C'est bien passé hein. Ah non, est... Hey, il est là pour ça fait, hein, c'est pour bloquer le tour hein. Ok. Je peux mirer. Mirex Vorienne. Et on va jeter. Et... Euh... Je crois que je jette l'autre Mirex, euh... hein On va jeter Mirex, ouais. Ah, quoi que non. Non, parce que ça te donne du rouge. Non, il faut oui. jeter Cronmer, du coup. Ouais. Euh. Ok. Ça. Il y a tellement de triggers, droite, gauche, là, je suis perdu. Ok, okay ça nous va. Hein. Oh, ouais, 4ème land. 4 4e land, 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 euh... okay, okay. land, ça nous permettra de de caster. Bah surtout il faut de rouges pour géologiquer la priseur donc c'est pas mal d'avoir pioché une source de rouge C'est vrai. Oula là, là, le faire lus. des dingueries je pense. Ouais. Ah et il, est, il est pas en moulinsinsins lui. oh je vais lui bouncer ça comme ça il refait de la value. Et euh. Ouais je pense qu'on a déjà perdu cette game. C'est pas facile. Mmh, je crois que je vais piocher là. Ouais. Tu gardes tous tes bloqueurs et on voit si je sais pas s'il si se trouve un peu dans l'attaque mais je Ou pense alors il y a aucun moyen se trouve. Je double bloque avec ça juste, c'est peut-être mieux. Ouais, mais c'est retarder l'échéance quoi. Ouais, ouais. vas-y, tu vas gagner plus de PV. Ouais, on est en moule 5 et il fait une belle sortie donc de toute façon C'est ça. On peut pas trop lutter quoi. Là, il fait de montagne, épicurien, imodane, j'attaque avec tout. Euh. On fait bref. what Très bien. Qu'est-ce qu'il a à, à faire des attaques bizarres Il est en Ah ouais, mais c'est non quoi. On va quand même gagner nos PV, mon pote. Et encore une fois, il va perdre du board sur cette interaction-là. Je ne comprends pas, gros. Ça me presque, ça m'énerve. Ça je me. Je ne sais pas. Donc là, tu bloques tous ces tokens. Vraiment, il perd tout son board et on va peut-être gagner une game qu'on est censé genre totalement perdre. Parce que maintenant tu boons sa chevalière, et il, est, il a rejoue comment derrière. Enfin, en tout cas, il va pas euh, beaucoup la convoquer, je veux dire. Ouais. Il peut pas caster ça parce qu'il y a deux plaines. Il est pas encore landé. Zoutbecker, ouais. tu, tu 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 fais pas d'effort ici sur euh, sur ta manière de piloter. Bah écoute, vétéran canaliseur, ça nous met pas si mal dans, dans l'idée. Alors si je lande, ça m'enlève me, tous les top decks double rouge, géological. Donc est-ce ouais. qu'on a besoin de se ah PV ouais. ou ce PV ou est-ce que je boonce juste Ah tu veux juste. Non, on n'a pas besoin de ce PV. Tu peux, tu peux juste booncer et t'offrir un géological. T'as raison. Je crois. Ou piocher une carte. Hein. Et je chump. Piocher une carte et accepter de prendre. Bah disons que c'est avec Imodan qui arrive, tu vas prendre un peu un peu Shiros, quoi. Ouais, je prends 4. Ou du coup, je peux bloquer euh, Imodan. Je crois qu'il faut piocher là, parce qu'on a, on a que dalle en main. Ok. En fait, Boon ça lui refait de la value. Oh bah voilà. Silent. Ok, ok. Boon ça lui refait de la value et euh, ça nous fait du coup gagner une carte et on lui en refait gagner. C'est fou, non, il on... nous laisse vivant dans cette game alors qu'on doit juste être mort quoi. Ouais. On avait du mana. Ouais. Après, ouais, peut-être qu'il tourne oh. autour de contre pour le Imodan, vu qu'on a du bleu. On va passer avec son attaque sauce, est, quand même. était déjà un peu chiante. Vu mais... qu'on a fait euh, pas anti-bête mais euh, double bloqueur, c'était relou pour lui. En vrai, il fallait juste que je passe mon tour et du coup, il passait aussi. Il dit, non, c'est sûr, il y a un truc là. Je tomberai pas dedans. Tu penses Ouais, peut-être qu'il est ouais. très très respectueux. Ouf, en vrai, est-ce que ça, c'est pas mieux je pense que c'est mieux en fait, faut lui enlever du board. Ouais. Vu qu'il se borne à pas jouer Imodan et je sais pas pour quelle raison. Tour d'après, on peut vétéran, vétéran. Ah. Euh, vétéran, vétéran. Tu peux jouer un Mirex là, du coup, là, ça mange pas Est-ce que c'est pas mieux de l'animer pour bloquer ou de faire un Mirex Fais-lui croire, il croit à un contresort. Fais-lui ouais. un contresort. Ouais, donc je passe. Non, mais enfin, je veux dire, tu peux jouer vétéran, mais garder du mana bleu d'étape. Alors, je crois que ton mouillage, il va pas trop être utile là. Merde. Ça marche, ça Oui Oui. Pour jouer le vétéran, ouais. Mais juste au moins, là, tu gardes mana bleu. Du coup, il peut encore croire à un mec pierre. Si c'est autour de ça qu'il tourne. Enfin, le tour d'avant, on était full tap, il a quand même pas joué Modan, mais je sais pas trop à quoi il pense, donc dans l'idée. Peut-être qu'il veut faire du board. Ah, il a, il a peut-être le spell rouge dans la main là. Mais du coup, il lui faut un deuxième mana rouge. C'est qui fait 3-1-1, tu sais. Yes. Bah écoute, toujours pas. On va bloquer avec vétéran dans la 1 1 Dans la 1-1 S'il peut la rejouer. Bah ouais, ouais, ouais mais enfin, en tout cas, ça limite son board quoi. Je crois qu'on bloque tout en fait. Genre on nous, on s'en fout d'avoir du board. Ouais, je pense. Et je rejoue ça. Ok. Ouais. Nous, on, on s'achète le temps de trouver trône dans Appraiser, en fait. Gagner un PV. Ouais, c'est un peu notre out là. Notre out. Ouais, c'est un peu de la merde, ça. Hein. Mmh, ouais, mais tu peux vétéran into activer ton manland. Alors, ça paye pas bien, par contre. Activer. Oh, c'est pas ça que tu m'as dit. Non, pour activer le Manland. Mais là, tu peux plus, tu peux oh pas l'activer. Ça, hein. ça a pas bien payé. Ça a pas bien payé, j'ai pas compris ce que tu m'as dit. Ah C'est pas grave. On aurait pu manger le, le frontalier, là. Ouais. Oh, mon dieu, le jeu. Moi, je vais Mirex, en fait, pour voir si ça me le laissait détaper, mais. Caca. Ok, ça c'est le moment de, oui, de Imodan va. là, vas-y, push, push un peu. Gros, je, je, je pense il, a un, il est avec un pote et il fait un, il fait un pari. Ah. Genre, je gagne, voilà. gagne sans Imodan. S'il le joue pas maintenant, bon ça va, bien joué. Je comprenais plus rien. Ah on savait plus là. Bon bah là, écoute, on va passer à la prochaine game. Tu prends 11, on est... Ouais bon on est mort, hein. On est à 2. À deux, on n'a aucun moyen de comeback le Ouh. board. Ouais, bah le Moulesin okay, signe tout rien, bon. euh, ça fait mal. Moulsin signe tout rien, alors qu'il nous a donné quelques opportunités en plus. Mmh. Donc, euh, dommage. Ok, bah, go comme ça, de toute façon, on ne va pas changer. Ouais. Il n'a pas joué les lapins, c'était mieux. Zot Baker. Bah, finalement, comme nous, on est capable de tout booncer, moi, je préfère qu'il ait des lapins que du board. Ouais, ouais. Je suis en premier et je garde la main. On aura beaucoup de Ligan avec le deck. Mais là, ouais. la main est. La main est, est correcte. Hein. Elle, est... Elle est. Ouais. Ouais. Je crois qu'il faut que tu enlèves Chevalière, malheureusement, ici. Hein. Chevalière Effectivement. Ça ou un Land. Mais si on trouve pas le troisième, on se ouais. mange. Euh, on a un vois. Drop 1, un Drop 3, un Drop 4, un Drop 5. Peut-être qu'on aurait dû enlever un Land. Avec un peu de recul. On joue combien de Estimé que de toute façon, on faisait pas grand-chose sans. Ah, et on joue que 21 landes, enfin, hein, euh, à plus 3, 24. Ouais. Non, mais ça me choque pas d'avoir Mulligan comme ça, mais peut-être qu'on aurait pu être un peu plus greedy, je ne je, je sais pas. Je ne suis pas persuadé. En tout cas, avec deux vétérans, s'il n'a pas de gestion en early, là, on va gagner beaucoup de temps avec les. Voilà, on va gagner un peu de temps, effectivement. Genre là, je peux canaliseur euh, qui fait un 1-1, je gagne 4 PEV. Ouais, bah, complet. Hein. Ou piocher une carte pour trouver le 4ème mana, peut-être. Ouais, je crois que piocher une carte pour ça, c'est mieux. C'est un peu, un peu mieux que gagner le PEV, je pense. Mm. C'est à droite, ouais. D entre ça et l'avorienne, là, à chaque fois, je cherche. C'est pas ce qu'il nous faut, mais c'est ok. Pas euh, le bon land, mais ça va. J'attaque pas pour pas me prendre frénésie de sorcière, machin, là. C'est pas comme ça qu'on va gagner. Ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est clair, on va juste l'écraser avec. Euh... Ouais. Ah, j'aurais pu attaquer avec un seul, je crois qu'il pouvait pas frénésie. C'est vrai. C'est pas très grave. Ah, il faut lui enlever le board. Hein. S'il attaque, tu, tu manges. Trop trop important. Ouais. ouais. Ça lui évite d'avoir. Euh... L'ordre. Dommage. Euh, ouais. Bah, tu peux quand même vaurienne, trésor. Euh... Ouais, ça fera du mana. Tu peux attaquer, du coup, si tu veux, avec Vaurienne. Ah, il attaque avec ça, j'ai envie de le tuer ça, non Alors, du coup, tu peux attaquer avec Ah, oui, non, parce que Vétéran, il va le trade. Ah, hmm. oh, tu peux ne pas attaquer alors, ok. Ouais, je crois que là, on va faire un truc big. En fait, on va le tuer d'un <laughs> coup, quasiment. On va essayer. Trop errant, ça ferait plaisir. Pareil on va on va on va prendre hein. on va prendre le trail. Hein. On peut tuer un vétéran là, avec y on l'avait bien senti Prado Sousai, ouais, bien joué. Ça nous fait un truc à jouer, hein. Pas de dégueu non plus, ça bloquera sa chauve-souris, enfin une des deux. Je ah. crois qu'on repart sur vétéran, euh, gardien into recruteur et on empêche des dégâts. Je crois pas que ce soit le tour d'évaluateur. Ou alors tu fais d'abord évaluateur. Peux... Bah je peux gardien, évaluateur et, euh, et engager à limite si je veux. Ah tu peux aussi gardien, évaluateur. Ouais non, vas-y ok. C'est peut-être mieux que, que remettre vétéran ici. Ouais, complet. Et on se donne le droit d'avoir un bel imodane. Ouais. Oui, puisque là comme il développe pas grand chose, si nous là on fait 4 bêtes, il est pas content. un peu plus euh, que 4 cool. bêtes. c'est carrément cool Qu on va pouvoir effectivement engager facilement vétéran ouais ouais vétéran ouais non nope écoute ça commence à sentir bon cette histoire ouais il se passe des choses il se passe des choses Faudrait pas qu'il trouve une chevalière là. Et encore que. En fait, s'il a renfort résolu plus chevalière, ça fait un peu chier. Ouais. Parce que je crois pas qu'on pêche 20 dégâts. Et lui peut nous tuer sur le comeback. Ça va. Ouais, ça va. Mais du board. Mais du board, euh, est-ce que j'ai pas envie de mettre un petit coup là Je crois que tu peux. Si tu mets un petit coup, il est obligé de bloquer ou il peut juste full prendre par contre nous il nous met oh, pas 23 non. sur le comeback non tu peux prendre le lead hein. 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ouais on lui propose quand même 15 hein. c'est pas mal hein. vas-y je, ouais. je prends je crois que c'est bien et ça ça enlèvera peut-être un bloqueur trop d'après ouais en plus on gagne de pv go il n'y a pas de value trade euh, s'il si, a double trade sur la 3 3 mais il prend ouais, une du de sauce prend, quoi. Il prend plus cher. Ouais. C'est vrai qu'on est haut en PV parce qu'il a un beau comeback là s'il si, si décide de tout prendre. Hein. S'il fait double imodan, on est mort je crois. L'ant double imodan. Il bloque rien, l'ant double imodan, on était mort. 10 et 6 et fois 2. Euh, ah, il nous mettait 22. Non, on est à 24. Il nous mettait tu veux pas. Il nous mettait que 22 avec ouais. Double Ok, j'ai pas, pas compté. Euh... Pico Bello. Ah. Faire enfin, la course okay. Ah, il fait la course, mais moyen quand même. Là, tu peux faire vétéran, canaliseur, c'est pas mal. Euh, canaliseur, il fait quoi Je pense qu'il boon sur un yotien ou, ou alors il te fait piocher une carte, on s'en fiche. Bah, c'est pour savoir s'il si pioche, euh... on le fait. Ah, bah du coup, ah, du, coup... Ah, du coup, ouais, vas-y, fais le piocher, je pense. Ok. Euh, je veux payer avec ça. Je, je ne vois rien. J'ai une carte. Ah, bon. Mais pourquoi tu t'envoies, euh, Zodbacker On était en train de s'amuser là. <laughs> je pense hein. qu'en vrai, on était, on était <laughs> en train de, de gagner cette game, mais on aurait pu en voir un peu plus, quoi. Ouais, c'était pas décollant. Ça aurait régalé les gens du vendredi. Écoute, c'est pas grave. Bon, en tout cas, régalant ce deck-là. Hein. Régalant. Fin de cette vidéo. vrai petit plaisir. Okay, bon, vraiment très très plaisant. Après, quand t'as pas le trône errant, c'est vrai qu'il faut un petit peu plus creuser, mais, euh, mais ça va. Je bataille un peu plus, mais on propose des trucs intéressants. Ouais, ça va. C'était quand même, quand même très très cool. Et quand t'as trop errant, par contre, c'est très chiant pour le gérer et derrière, tu fais n'importe quoi. C'est clair. C'est vraiment la folie. Donc, fin de la vidéo pouce bleu, commentaire, partage et abonnement. Un réseau social dans la description avec notre chaîne Twitch Valpé, la Magic Rain Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.